Bonjour à tous, amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de la mini-aventure. Aujourd'hui les amis, comme vous pouvez voir, épisode très particulier puisque je suis actuellement en live sur YouTube. Ça fait hyper plaisir, grosse dédicace à tout le chat qui est juste ici, qui vous fait des petits coucou YouTube. Ça me fait hyper plaisir. Aujourd'hui les amis, nous sommes en live. Si vous aussi vous voulez être notifié et être présent à chaque live, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite notification. Aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, on va se consacrer un petit peu sur la composition Full Dragon, puisque c'est la composition que j'utilise actuellement pour essayer de former l'élixir noir. J'espère que vous êtes chaud. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est pas encore fait, ça ferait hyper plaisir. N'hésitez pas à utiliser également le code créateur AlexCalibur. Et nous on commence directement, let's go. Du coup les amis, pour cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer par vous montrer un petit gameplay que j'ai fait en Full Dragon. Du coup vous allez voir, il y a énormément de ressources. Après on va se faire deux ou trois petites attaques en direct, voilà, et après on va améliorer quelques petits trucs sur notre village. Comme vous pouvez voir, le village avance vraiment très très bien, surtout au niveau des murs, et ça me fait hyper plaisir les gars, franchement c'est cool. L'HDV8, depuis qu'il est, enfin depuis que je l'ai passé HDV8, c'est quand en fait je joue beaucoup dessus et franchement je me régale dessus, donc c'est top. Et c'était pas à me dire si vous kiffez encore la série les gars. Et en tout cas on commence directement du coup avec le premier gameplay. Ok les amis, on commence directement avec le premier gameplay. Comme vous pouvez voir ici du coup, avec plus de 600 000 d'or, 800 000 d'élixir et 2000 d'élixir noir, c'est complètement abusé. Je voulais vous faire cette petite vidéo aussi pour vous montrer en ce moment, depuis l'arrivée de l'HDV13 etc, pour les HDV, j'ai l'impression qu'il y a une zone les amis. Lorsque vous êtes en argent 1-2 à peu près, il y a du loot, mais c'est phénoménal, vraiment c'est complètement abusé. Regardez, je vais vous montrer juste après les recherches que je fais. Normalement vous allez voir, je trouve du loot hyper facilement, c'est complètement abusé. Donc là en plus j'avais 2800 d'élixir noir, c'est plutôt cool puisqu'en ce moment je me concentre sur l'élixir noir pour essayer d'améliorer mes golems et mes valkyries. Je sais pas si on aura assez d'élixir noir à la fin de cette vidéo pour les améliorer parce qu'il me manque encore pas mal, mais vraiment mon but en ce moment c'est d'améliorer les golems et les valkyries. Donc voilà, c'est pour ça que je farm en fait avec les full dragons, parce que certes le full dragon coûte très cher un élixir, mais il coûte rien un élixir noir, et vu que en ce moment je cherche de l'élixir noir, et ben c'est parfait. En plus ça permet un petit peu de diversifier, moi j'aime beaucoup les compos aériennes, et du coup bah écoutez, le full dragon en HDV8 ça fonctionne super bien. Donc franchement en ce moment je me régale avec cette compo les gars. Et c'était pas à me dire si vous aussi vous jouez ou pas du tout le full dragon en HDV8, ou si vous êtes plutôt team sol ou team aérienne. N'hésitez pas à me dire ça vous dans les commentaires. Et puis écoutez, vous pouvez voir un petit peu cette attaque qui se termine pas mal du tout, puisque on a réussi à récupérer toutes les ressources et on a surtout réussi à faire un petit 100%. Et ça les amis c'est top, let's go. Parce que c'est vrai que j'arrive pas trop encore à faire des perfs en HDV8, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas de château de clan, j'ai pas forcément de clan sur ce petit compte, parce que c'est pas un compte sur lequel je suis hyper actif non plus. Certes je joue beaucoup, je fais peut-être, je sais pas, 5-6 attaques par jour, mais j'ai pas de clan dessus. Donc voilà, c'est un peu compliqué sans clan, mais on arrive quand même à se débrouiller. Je vais vous montrer, on part directement à l'attaque. Regardez, première recherche que je fais. Première, il y a déjà un 220 000 et 235 000. Je vais pas l'attaquer parce qu'encore une fois, je cherche de l'élixir noir. Mais vraiment, c'est hyper simple de trouver des bases avec beaucoup de loot à ce niveau de trophée en HDV8. C'est complètement abusé. Vraiment, vous allez voir. Là, je sais pas. Peut-être que je vais dire ça et justement, vu que je suis en vidéo, le mauvais karma, il va me faire pas forcément trouver des bases. Mais regardez, là, il y a déjà un 500 000. C'est abusé le loot qu'il y a, c'est complètement abusé. Là il y a un petit 1900 d'élixir noir qui peut m'intéresser potentiellement. Je pense qu'on va... ouais non, en vrai il y a 130 000. J'espère, j'ai envie quand même d'avoir certes de l'élixir noir, mais quand même pas mal de ressources aussi à côté, tu vois frérot. J'ai pas envie d'avoir que de l'élixir noir. Du coup, on va essayer de trouver une base mieux avec vraiment beaucoup de loot. On va voir si on peut trouver ça. Let's go. Hop, bah écoutez, au pire, on va se faire une petite coupure et on se retrouve juste après. Regardez ça, les gars, on tombe sur des bases, c'est un délire. Bah, je crois que je vais l'attaquer même s'il n'y a pas beaucoup d'élixir noir, parce que là, franchement, je peux pas laisser passer ça. Je peux clairement pas laisser passer ça. C'est parti, let's go, on attaque cette base. Regardez, les gars, vraiment, en ce moment, il y a tellement de ressources dans cette zone, les gars. Si vous êtes HDV8, mais allez dans cette zone. Moi, je m'amuse à faire le con avec des full dragons, etc. Mais franchement, si vous voulez vraiment, vraiment farmer à fond, vous faites du barbare archer. Vous vous mettez, mais tellement bien, les gars, dans cette zone. Vraiment, vous pouvez farmer, mais énormément, à mon avis, en une heure. Donc, vraiment, c'est la zone de farming à ne pas rater en ce moment. Vraiment, allez-y à fond. En vrai, je serais chaud, les amis, de vous faire une vidéo, grosse vidéo de 30 minutes où j'essaye de farmer le plus possible, comme je faisais un petit peu à l'époque, vraiment en barbare archer, en booster, essayer vraiment de farmer le plus possible en 30 minutes où on discute sans coupure. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Peut-être si on arrive à, on va se dire, je sais pas, 1000 pouces bleus sur cet épisode, on pourrait se faire une grosse vidéo comme ça où on essaye vraiment de farm le plus possible. N'hésitez pas à me dire si ça vous fait envie ou pas du tout.
Du coup, voilà, l'attaque qui se continue, on est déjà à 69%, 70%, let's go, ouais, dans tous les cas, je pense que ça va perf, après, c'est clairement pas une base de malade en face, donc franchement, ça fait plaisir. Est-ce qu'on récupère tous les sur noir au moins? On va voir ça, let's go, le roi, regardez là, qui est en galère sur le mur, ok, c'est bon. Nickel, en tous les cas, ouais, ça va perf, il nous reste encore 4 dragons. Les seules défenses qui peuvent toucher mes dragons, c'est cette TDA ici et cette tâche là. Donc, c'est clairement pas ça qui va m'arrêter. Ok, let's go. Les dragons qui passent. Hop, les dragons qui détruisent la réserve. Les dragons qui vont sur la Tesla. Après, il reste des ressources là. Regarde, il reste encore masse de ressources ici. Ouais, en vrai, ça va clairement le faire. Bon, en soi, j'aime beaucoup, les gars. N'hésitez pas à me dire vraiment si vous jouez les dragons, parce que moi, je les kiffe. Hein. Je me régale avec ça en ce moment. Ça change un petit peu des compos terrestres. C'est cool. Après, les gars, je pense que aussi, vu qu'il y a le boost à une gemme en ce moment, il y a beaucoup de gens qui boostent leur casane et du coup, fait... Waouh. Aussi, les gars, vu qu'il y a le boost à une gemme en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui boostent leurs mines et extracteurs, etc. et qui après jouent pas forcément. Du coup, ben, les mines sont tout le temps remplies. Après, il y a aussi le fait qu'il y a eu une mise à jour, le fait qu'il y a des fêtes, le fait de plein de choses. Mais vraiment, du coup, en ce moment, c'est vraiment une période où dans cette zone, ben, le loot, il est incroyable. Du coup, on va se reformer des petites dragues. En tout cas, on est déjà très bien niveau ressources, on va s'améliorer un petit peu nos remparts ici, let's go. Hop, on va choisir la rangée, regardez là tout ce qu'on va améliorer, let's go, boum, on a amélioré plein de remparts d'un coup, on s'est mis bien, ça fait plaisir. Hop, est-ce que j'ai des sous dans ma trésorerie? J'ai des sous dans ma trésorerie. Hop, on va pouvoir améliorer encore quelques petits remparts ici. Hop, peut-être un troisième. Ah ok, il manque un petit peu. Avec notre élixir, on va lancer un petit truc dans notre labo. On est à combien d'élixirs? On est à 3 900 000. Ok, 3 900 000, j'ai bien envie moi de up. Bon, on peut se up les petits sapeurs à la limite. Ou alors, parce que le truc c'est que j'aurais bien voulu faire les PK, mais j'ai même pas assez de réserves. Faudrait que je up mes réserves en fait. Hop, on va faire comme ça. Let's go. Ouais, je j'aime les gars, je sais. Hop, est-ce que j'ai assez ou pas encore là? Toujours pas j'imagine. Ouais, mais là, en fait, c'est pas du tout rentable de faire ça. C'est clairement pas rentable de faire ça. Donc, vous savez quoi, on va laisser faire celle-là. Tant pis, on va pas la gémer. Mais du coup, ça m'énerve, je peux même pas améliorer mes PK. Bah, écoutez, on va s'améliorer tranquillement les... On va s'améliorer les sapeurs, dans tous les cas, je sais que j'ai une rune d'élixir, normalement, il me semble. J'ai une rune d'élixir, donc dans le prochain épisode, les amis, on s'améliorera les PK. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On a amélioré quelques petits trucs, voilà, c'était pour faire des petits gameplays au dragon. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, quand même, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, ça ferait hyper plaisir. Et n'hésitez pas à mettre également le petit code créateur AlexCalibur dans la boutique si c'est pas encore fait. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a des concours pour gagner des figurines tout simplement d'archers et de sorciers. N'hésitez pas à aller voir ça. Je vous fais de très gros bisous. C'était Alex, ciao les amis, à plus, bye bye.